C'est depuis hier soir. Ni tangu jana mangaribi. Quelque chose est arrivé dans le royaume des cieux. Kuko kituma ilifika mu falme ya Mungu. C'est-à-dire retour à la maison de notre frère Ewald Frank. Nikusema nduku yetu Ewald Frank alikufa jana. J'ai reçu beaucoup d'appels. Watu wengi walinita. J'ai reçu beaucoup de questions. Watu wengi waliniuliza. Mais la chose que j'ai vraiment appréciée. Lakini mambo lenye furahisha. J'ai vu que beaucoup de gens sont stables dans la parole. Mimi na kusema watu wengi washa kushimama mzuri mneno. C'est ce qui fait ma joie. Joile inanifurahisha. Que Dieu soit loué pour ça. Mungu asifiwe kwa ajili ya ile. Je n'ai pas pu dormir. Miskulale. J'ai reçu beaucoup d'appels. Umarinita sana kubatu. Mais vous avez de la chance. Mwe mko na bahati. Puisque nous avons de l'équilibre de la parole. Kusema tunaweza kusimama mzuri mneno la Mungu. Nous devons voir chaque chose sur l'angle de la parole. Kila kitu tunapaswa kukiona namna ya neno. Nous sommes bien avertis. Tunashaka kalamushwa mzuri. Et nous faisons toujours confiance au Seigneur. Na tukunamtumainia kila mara Bwana. Le Seigneur lui-même achèvera son œuvre. Bwana yeye mwenyewe atamaliza kazi yake. Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Frank, c'est un homme de Dieu. Ndugu Frank ni mtumishi wa Mungu. Nous disons merci à Dieu. Tunasema asante kwa Mungu. Parce que il est dans la gloire. Kwa maana yuko katika utukufu. Il se repose. Yeye kunapumzika. Chaque fois il disait. Kila mara alikuwa anasema. Branham a fait sa part. Branham alifanya kazi yake. Moi Frank, j'ai fait ma part. Mimi ndugu Frank anafanya kazi yangu. Mais vous aussi faites votre part. Nani pia mfanye kazi yenu. Mais arrivé le 5 mai 2024. Lakini mtare tano mwezi wa tano mwaka tunayo. Et le 2 juin 2024. Na tarehe 2 ya mwezi wa 6. Msemeo yake rishanje. Son langage avait changé. Ce n'est plus Frank qui a fait sa part. Aya nakusema ndugu Frank anafanya kazi yake. J'ai fait le mien. Nikusema mimi nafanya yangu. Et chaque homme de Dieu. Na kila mtumishi wa Mungu. Dieu lui montre ce qui va t'arriver. Mungu anamuonesha kile kitamfikia. Je crois dans lettre circulaire décembre 2010. Mu barua kuzunguka mwezi wa 10 ya mwaka 2010. Niko na wasomea. En même temps, je réponds à ma question. Ni unajibu na kuile maswali yote. Les adieux de Paul. Ile kulaka kwa Paulo. Donc page 23. Page 23. Mais moi je vais lire page 24. Mitasoma page 24. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Msikie kile mtumishi wa Mungu anasema. Je suis maintenant fort avancé en âge. Msema pa mimi nakomea sana. Et je ne sais pas combien de temps encore je pourrais continuer. Na mishi jioni wakati ngapi itanyewakilia mjua mi kuendelesha. A voyager comme je l'ai fait. Ya kusafiri hivi ni mnaifanya. Jusqu'à ce jour. Paka na leo. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Moi aussi. Nami pia. Je recommande instantanément à tous les frères. Na mina gizia apasasa wa ndugu wote. Qui sont dans les ministères. Watumishi. Dans le monde entier, Mudunia Mujima, d'être vigilant, Bakwe Berevu, de demeurer fidèlement dans la parole de vérité, Baba Kie Waminifu Neno la Ukweli, et de nourrir les troupeaux de Dieu avec la pure nourriture spirituelle. Na wapate kulisha nkondo ya Mungu na chakula safi ya kiro. D'être vigilant. Bakwe Berevu. C'était le 24 septembre 2023. Le 24 septembre 2023. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Pour la consolation. Juu ya faraja. Page 4. Page 4. C'était à Zurich. Toujours Zurich. Dit, je n'ai rien à voir avec ce que font les adversaires du Seigneur en ces temps. Mishina na mahambo na bale beko baadui ya Bwana mwi wakati.
Et aujourd'hui, je vais faire lire ce que j'ai sur mon cœur. Na leo batasoma yote ile nikunayo ku moyo wangu. Mais avant de le faire. Lakini mbele kuisoma. Chers frères et sœurs. Nduku na dada wapenzi. Je vous prie. Na wasi. Croyez-le moi. Muni hamini. J'ai devant Dieu une telle responsabilité. Continuez. Comme personne d'autre ne l'est actuellement. Nikusema bujito bule niko na boleo hakuna mtu pa dunia yako na hapo njoo mambo ya Mungu. Et je porte la cause de Dieu de mon réveil jusqu'à ce que je me couche. Kazi ya Mungu niko nayo kulamka kwangu na mkulala kwangu. Et mardi naam siku ya pili j'avais remis tout au pied du Seigneur. Niko anisa kisha kuomba na tolea vitu kwa Bwana. J'avais tout consacré au Seigneur. Niko anisa mtolea vitu Bwana. Et je venais de me lever. Nani chakulamuka. Et alors na pale retentit la parole puissante. Neno ya uwezo ilisikilika. Di retransmet. Anasa wekea. À tous. Watu wote. Les 4 et 7 services de guérison de Frère Branham. Ile maibada ine au saba ya matunzo ya ndugu Branham. Et à cet instant. Na pale mwile wakati. Je suis que je n'avais plus rien à dire. Nilijua kama shina tena nikia kusema. Mais que tous avaient la possibilité d'entendre lakini wote walikuwa na ile bahati ya kusikia et de voir ce que le Seigneur avait fait na kuona époque. Kile Bwana alifanya mwakati yetu. Les choses ont commencé à partir ya hii date. Kwanzia ile tarehe ndio pale mambo ilianza. On arrive le 31 décembre 2023. Tunafika tarehe 31 mwaka wa 12. Le frère a prêché. Na nduku mwezi wa 12 nduku alibiri. Page 17. Page 17. Dis frères et sœurs. Sanduku na dada. Je dois conclure. Mina penda kumaliza. Que le Seigneur bénisse la fin de cette année. Nikusema Bwana abariki mwisho wa hii mwaka 2023. Et nous prenons avec reconnaissance. Na tunakuwa na shukrani yote. Que Dieu bénisse l'année à venir. Na Mungu abariki mwaka kunaanza. Et permets-moi de faire cette remarque. Na muniruhusu nipate kufanya hii angalisho. Le retour de Christ aura lié au moment fixé. Usa kurudi kwa Kristo utafanywa mwakati ile Mungu anaacha kuweka. Le retour de Christ. Kurudi kwa Kristo aura lié au moment fixé. Itafika mwakati inayofaa ile anaacha kuweka. Personne. Na hakuna mtu ne connaît le jour. Anajua siku elle na saa. Et vous savez. Na mnajua. Nous avons un cœur dans lequel il dit tuko na mwimbo moyo mule tunasemaka. Se pourrait être la dernière fois. Inawezi kuwa mara ya mwisho. Se pourrait être la dernière fois. Inawezi kuwa mara ya mwisho. Et il y a environ une semaine. Na kuna kuya kadiri juma mzima. J'étais assis dans mon bureau. Nilikuwa mwenyekana mu ofisi yangu. Et je chantais ce que. Na nilikuwa naimba hii mwimbo. Après la prière. Kisha maombi. Et soudain. Na kwa ghafla. J'ai dit. Nilisema. Bien-aimé Seigneur. Mpendwa Bwana. La nouvelle année 2024. Hii mwaka mpya 2024 iko mbele yetu. Et j'ai effectivement chanté. Na niliimba tena. Se pourrait être la dernière année. Inawezi kuya mwaka ya mwisho. Se pourrait être la dernière année. Inawezi kuya mwaka ya mwisho. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Personne ne le sait. Hakuna mtu anaijua. Mais. Lakini. Se pourrait être. Inawezi kuya. Se pourrait être. Inawezi kuya. Toutes les prophéties bibliques. Maunabi yote ya kibiblia. Sont accomplies. Inatimizwa. Même maintenant. Hata hapa sasa. Avec le Proche-Orient. Na maichi yote kwa asubuhi. Tout est dans le développement final. Yote biko nenda kufika kwa mwisho. Et avancé. Na biko na endelea. Et nous pouvons attendre chaque jour. Na kila siku tunaweza kuongojea. Informe. Mahabari mupia. Que Dieu bénisse tous ceux qui croient les messages divins. Sa Mungu abariki wote wanaamini ujumbe wa Mungu. Et qui croit que Dieu appelle et envoie Frère Branham. Banamia kusema Mungu aliita na kutuma ndugu Branham. Et après avoir repris à la maison. Na kisha kumrudisha kunyumba. Il m'a appelé. Aliniita na mimi ndugu Frank. Et envoyé. Na alinituma. Que tous ceux qui croient. Na wale wote wanaamini. L'envoi divin. Kutuma kwa Mungu. Se laisse préparer. Bekone je tira kutayarishwa na wote pamoja. Nous attendons le retour de Jésus. Tukunongoja kurudi kwa Yesu Kristo. Qu'il est lié l'année prochaine. Iwe imwaka itulianza. Ou l'année d'après. Au 2025. Mais son retour
aura lié sous peu. Lakini kurudi kwake kutafanyika masiku kidogo. Sous peu. Masiku kidogo. Beaucoup de gens ont posé des questions. Watu wengi waliuliza concernant des choses qui vont arriver. Kuhusu vitu vile vinaweza kufika. C'était, je crois, c'est la prédication, donc, réunion mensuelle de Krefeld. Mwile mkusaniko ya mwenzi ya Krefeld. Du 1er septembre 2018, je crois. Ya, le 1er septembre 2018, Nazania. Écoutez ceci. Msikie. On avait posé quelques questions à Frère Franck. Bari mulizaka maulizo mwanduku Franck. Des réponses de Frère Franck. Na majibu. Donc il s'est demandé comment les choses continueront avec lui. Asa barkwa na muliza bitu bitaendelea je pamoja na ndugu Frank. Écoutez ce que le frère Frank dit. Musikie vile anajibu. Et particulièrement aussi les frères dans les ministères. Na kwa upekee wa ndugu katika watumishi. Qui maintenant. Wale ambao sasa. Réellement sont en train de propager partout. Bale benye beko na sambaza fashi yote. Et se pose des questions. Na beko na jiuliza. Comment est-ce que ça va continuer avec Frère Franck? Sasa bitendelea je pamoja na ndugu Franck. Comment est-ce que ça sera avec Frère Franck? Na bitakuwa je pamoja na ndugu Franck. Qu'est-ce qui va arriver avec Frère Franck? Na ni nini tamufikia ndugu Franck? J'aimerais dire à ceux qui déjà sur internet. Na napenda kuonesha wale wote kutia mtandao s'occupe de ces sujets. Wale wana ngaikia hii mambo. Comment ça va se passer avec Frère Franck? Gisikani bitapitikana na ndugu Franck. J'aimerais aujourd'hui de tout cœur dire ce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean 21. Kwa moyo wote napenda kusema ile Bwana alisema mu Yohane 21 mstari 18. En vérité je te dis. Sasa kwa kweli kwa kweli nakwambia. Quand tu étais jeune, wakati ulikuwa kijana, tu t'es saigné. Ulikuwa unafunga mkaba, ulikuwa unaguza. Tu allais où tu voulais. Na ulikuwa unaenda kule ulipokuwa. Mais quand tu seras devenu vieux, lakini wakati utazeeka, tu étendras le main. Nikusema mikono yako italekea. Un autre te saindra. Na kuku mwingine atakufunga mkaba. Et te conduira où tu ne veux pas. Na atakuongoza kula upendi. Ici notre Seigneur prédit à Pierre. Hapa Bwana yule anamuonesha Petro. Comment il allait mourir. Gisikani alipashaka kufua. Et Pierre a écouté ses paroles. Na Petro alisikia maneno. Et a dit ensuite au Seigneur. Alizimuonesha Bwana. À partir du verset 20. Mustari wa 12. En relation avec Jean. Kumambo inaangalia Yohane. Pierre se retourna. Petro akangalia. Voit venir les disciples aka, que voir les disciples que Jésus aimait. Akaona mtume ule Yesu alikuwa anapenda. Qui aussi. Ule naye pia. Durant les soupers. Kadi s'était penché sur sa poitrine. Wakati yakula chakula mangalwa kifua alimoneshaka. Seigneur. Bwana. Lequel est celui qui te livrera? Ni nani yule ambaye atakutoa? Pierre le voyant. Petro kamuona. Dit à Jésus. Akamonesha Yesu. Seigneur. Bwana. Et celui-ci? Et ni huyu? Que lui arrivera-t-il? Ni asa huyu ni nini tamufikiaka? Donc, laissez-moi vous dire cela en résumé. Sasa mniache nimeonyeshe mkifupi. Notre Seigneur a laissé écrit. Bwana wetu aliacha andike. Jésus lui dit. Yesu akamuonesha. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Kama mimi napenda aishi paka na pale mimi nitarudiaka. Que t'importe. Yeye anakuangalia kunini? Toi suis-moi. Wewe unifuate tu. Et ensuite. Na kisha. Suis une phrase très importante que je vais adresser à tous les frères. Tamko ngine nafuata mafasa na leo nitaonesha manduku bote. Le frère Franck demande à Frère Tati. Ndugu Franck anamwambia ndugu Tati. Écoute bien. Sikia mzuri. Et transmet cela à tous les frères dans le monde entier. Na wekea upatia banduku bote mutumishi. Ils s'occupent de ces sujets. Benye kuangaikia hii mahambo. Qu'arrivera-t-il à Frère Franck? Nini nile tamufikiaka ndugu Franck? À la fin du verset 23, il est écrit. Kumuishi ya mustari wa 12 na 3 unasema. Si je veux qu'il demeure. Kama mimi napenda aishi. Jusqu'à ce que je vienne. Paka na pale mimi tarudiaka. Que t'importe. Sasa mambo yako iko wapi? Oh. Oh. Cela me plaît. Hii inanifurahisha. Cela me plaît. Hii inanifurahisha. Mais qu'est-ce qui vous importe? Sasa mambo yenu iko wapi pale?
Cela concerne Jean. Il est dans mon que t'importe-t-il à toi, Pierre? Ça, ça, oui, mambo ko Petro. Qu'est-ce qui vous importe, vous, aux frères? Moi, banduku, mambo enu ko api. C'est que le Seigneur va faire avec Franck. Qu'il est nduku, mungo tafanya na bwana tafanya na nduku Franck. Dites à tous les frères. Moneshe banduku bote. Qu'est-ce que cela leur importe? Asema, il est na bangaria kunini. Qu'il soit plus occupé à se préparer à cela. Wow, bah tu t'arriches tout, tu as il est. Et le plus important. Il est, Dieu a ma femme, tu t'arriches. Frère Frank a vu l'enlèvement. Ndugu Frank Ariona unyakuo. Qu'il soit appelé avant l'enlèvement ou pas. Ah, arudie kunyumba au akufwe mbele kunyakuliwa au hapana. Ce qui est sûr. Il est quoi hakika? C'est qu'ensemble nous serons enlevés. Nikusema shebote pamoja kama tutaitarisha tutanyakuliwaka. Si le Seigneur le veut. Kama Bwana anataka. Laissez les choses entre les mains de Dieu. Mwache bitu mikono ya Mungu. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Pa kama napenda nikwe mushima pana pata rutie. En quoi cela vous importe-t-il? Ile inemiangaria kunini? Ne vous occupez pas à de tels sujets. Mwe mushangaikie mambo ya hivi. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Kama mimi napenda aishi abakie mushima pana pale mitakuya. Ile aita kuangalia. Bon. Au Seigneur soit reconnaissant. Bwana asifiwe. Si nous avons vraiment de la réponse à toutes les questions dans la Bible. Kama tuna majibu maswali yote ku Biblia. Gardons toujours l'équilibre. Tubakie bien kusoma mzuri. C'était des questions que les frères se posaient mille fois. Hii njo maulizo banduku walikuwa anajiuliza mara mingi. Ni nini tamfikia Frère Frank? Tarivera tiro Frère Frank. Oh atakufaka. Ile murapa. Atakufaka. Il mura. Hata kama anakufa. Même s'il meurt. Wewe binakuangalia kunini? Qu'est-ce que cela vous importe? Même si hata anaishi. Même s'il vit. Wewe binakuangalia kunini? Qu'est-ce cela t'importe? Dans Romains 14. Mwa Roma 14. Je crois au verset 6. Mustara 10, mustara 6. Nous lisons. Nous lisons. Celui qui fait une distinction entre les jours. Ule kona chanisha siku. Le fait pour le Seigneur. Eko na ifanya njuu ya Bwana. Et celui qui ne le fait pas de distinction. Na ule chachanishi. Le fait aussi pour le Seigneur. Eko na ifanya njuu ya Bwana. Celui qui mange de tout. Ule kona kula yote. C'est pour le Seigneur. Njuu ya Bwana. Il le fait puisqu'il s'exprime. Eko na ifanya sa reconnaissance à Dieu. Njuu eko na shukuru. Celui qui ne mange pas. Ula sikule. De tout. Ula le fait aussi pour le Seigneur. Et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, wakua, aucun de nous ne vit pour lui-même. Et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, kama tunaishi, c'est pour le Seigneur njua buwana, que nous vivons. Na et si nous mourons, na kama tena c'est pour le Seigneur que nous mourons. Tunakufa njua buwana. Ainsi, hivi soit que nous vivons, tupate kuishi, soit que nous mourons, tukufwe, nous appartenons au Seigneur. Tuko wa Bwana. Et le 5 mai. Na tare tano mwezi wa tano. Je vous lis maintenant quelque chose. Nous me sommes à qui tu m'as hivi. Salutation que le frère Frank nous avait envoyé. Ini masalamu ile ndugu Frank alitutumiaka. Dis frères et sœurs bien-aimés en Christ, unis par l'amour divin. Mapendo ndugu na dada katika Kristo yenye kuunganishwa kupitia mapendo ya Mungu. Je vous salue très cordialement. Et avec une grande reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Avec la parole que l'apôtre Jacques a écrite. Jacques chapitre 5 verset 13. Si quelqu'un parmi vous souffre. Qu'il prie. Si quelqu'un va bien. Kama mtu eko katika afya njema. Il chante de louange. Wale eko katika fura aimbe nyimbo. Nous attendons actuellement parler de beaucoup de détresse. Hapa sasa tunasikia wanasema kuhusu matabu. Et des prières qui montent vers le trône de Dieu. Na maombi yanapanda kuenzi ya Mungu. Moi aussi. Nami pia. En 90 ans. Miaka makumi. J'ai été surpris. Tisa milishituswa. Le lundi 22 avril. Il est lundi 22 avril. J'ai été transporté à l'hôpital. Bari nipeleka kwa hospitali. Avec des gyrophares. Na ambulance.
Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, le calcul biliaire infecté a pu être retiré. Ile calcul biliaire yote bali itosha. Et je puis rentrer chez moi. Na miri rudia kunyumba. Vendredi dernier. Ile mkazitano. Disi je veux bien. Nyasaniku unafia nyumba. Mais malheureusement je ne peux pas encore monter le 20 marches. Anasema kwa ole, mishu weze kupanda tena maeskalie. Ils mettent à la salle d'enregistrement. Nye mpilikaka kuchumba mune na kubiri. C'est pourquoi je vous demande à tous. Njoko mana, wote na waomba. Dans tout le peuple. Mu, watu wote mbule yote. Et toutes les langues. Maluga yote. De continuer à faire confiance au Seigneur. Tuendele, kumutumainia paka Bwana. Jusqu'à l'accomplissement. Paka na kutimilifu. C'est-à-dire l'achèvement qui est à notre porte. Ni kusema kumalizwa kwa kazi kukupa mulango. Dis frères et sœurs bien-aimés. Je voudrais encore une fois souligner au nom du Seigneur. Napenda tena kutia mkazo mu jina la Bwana. Que tous ceux qui croient maintenant le message divin. Na kusema le bote manamia sasa ujumbe ya Mungu. Et qui ne se sont pas arrêtés au ministère de Frère Branham. Na abakumaliza au kushimama na utumishi wa ndugu Branham. Mais qui sont aussi édifiés par la prédication qui se poursuit. Na beko na jengwa kupitia ma retransmission mahubiri. Vive leur préparation. Wale weko nijitayarisha. Di veillez le dire chacun pour soi. Muoneshe kila mtu palwake. Veillez le dire chacun pour soi. Muoneshe kila mtu palwake. Nous sommes à la manière d'Isaac. Tuko samu namna Isaka. Dire enfant de la promesse. Sawa Isaka tuko watoto wa Malako. À cela je voudrais aussi ajouter. Na kuile napenda kuongeza qui est également écrit dans la parole de Dieu. Ile imeandikwa kwa neno la Mungu. Si la promesse du retour de Christ s'est fait attendre. Kama kurudi kwa Yesu tena kuna kawi yako. Tenez bon. Mushimame imara. Attendez-la. Muchunge tu. Car elle arrive certainement. Sema kwa maana ile malaku itatimizwa kwa hakika. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Et en particulier les traducteurs du monde entier. Na kwa upeke, watafsiri wote mduria mujima. Tenez bon. Mushimame imara. Maintenant, on arrive le 2 juin. Sasa tunafika mtarehe 2 mwezi wa 6. Écoutez ce que l'homme de Dieu a écrit. Musikie kile lettre de salutation. Ndugu Frank anaandika muyenga ilipita. Pour le monde entier. Barua salamu. Avant d'écouter la prédication, je vais vous lire un mot de salutation de Frère Franck. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier. Mwebote mdina mujima ni misalimia. Au nom très cher de Jésus-Christ. Mujina ya damani ya Yesu Christu. C'est avec une grande reconnaissance. Na shukrani kubwa. Que je jette un regard sur les 70e année de mon ministère. Au cours desquels Dieu a béni toute la terre. Kwa ajili ya ile Mungu alibariki dunia yote mzima. Ça c'est la vérité. Hii ni ukweli. Il était dans le plan de Dieu. Ilikuwa kama mapo ya Mungu. De révéler tout son conseil à notre époque. Apate kufunula mashauri yote wakati yetu. De proclamer le message éternel du salut à toute la création. Na kutangaza ujumbe ya milele ya wokovu kwa dunia yote mzima. Mais maintenant. Sasa hapa sasa. À 90 ans. Miaka 90. Mon corps s'est affaibli. Mwili wangu inachoka. Je me sens comme Paul. Mimi najisikia sawa Paulo. Qui écrit dans Galates 4. Ule anaandika mu Galatia sura 4. Verset 13 à 14. Mustari wa 13 mpaka 14. Verset 13. Si vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut. Au verset 14, à cette époque, malgré l'offense que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris. Ni rejeté avec dégoût. Voilà, amukuni katale. Mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Lakini mulini pokelea sawa malaika wa Mungu. Et même comme le Christ Jésus. Na sawa Kristo Yesu. Comme je l'ai souvent dit ces derniers temps. Sawa vile mingu na isema imara. Frère Branham
a exécuté son ministère. Kusema ndugu bananam alitimiza utumishi wake. Et moi j'ai fait le mien. Na mie mira tumina tumiza utumishi wangu. Dit personne n'a besoin de s'attendre à moi. Ni kusema hapa sasa hakuna hata mtu mmoja anapaswa kunitumainia. Personne. Hakuna hata mtu mmoja. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Hakuna mtu ule anapaswa kunitumainia. Le Seigneur lui-même dans le monde entier. Bwana yeye mwenyewe katika ulimwengu wote mzima. Fera l'achèvement. Yeye mwenyewe atamaliza kazi. Mon souci. Angaiko yangu. A toujours été de relier les croyants à Dieu. Ine kalaka ni ya kufunga bamilifu bote kwa Mungu. Ne sommes pas de ceux qui suivent Paul. Hatuna bali mko nafuata Paulo. Ou de Branham, ao bantu ya Branham, mais nous suivons Jésus-Christ. Lakini shebo tetona mfuata Yesu Kristo. Notre Seigneur est sauvé. Yeye mwenye kuya Bwana na mwokozi wetu. Aussi certain. Na paka vile yakika. Que le Seigneur lui-même va achever son œuvre. Yakika paka vile Bwana atamaliza kazi yake. C'est aussi certain. Ni hakika tena. Il achèvera lui-même son œuvre de rédemption. Atamaliza paka vile atamaliza kazi ya ukombozi. Atamaliza kazi ya ukombozi. C'est que tous les vrais croyants dans le monde entier. Kama fasa sasa ni kusaba milifu tu kuna mushima. Ne croit plus que ce que disent les écritures. Beko naamini tu ni paka kile maandiko yanasema. Ce n'est qu'ainsi que l'église entrera dans l'unité de l'esprit. Et tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de la parole de Dieu. Et soyez tous bénis dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, au nom saint de Jésus-Christ. Amen. Il nous a dit même au revoir. Personne n'a besoin de s'attendre. Mais quelque chose qui m'a tiqué dans sa prédication du 5 avril 2020. C'était sa prière. Il quoi ombi yake? Et je vous lis ça. C'était sa prière. Il quoi ombi yake? Lui-même. Ye moya. Il dit prière du serviteur de Dieu. Sa ombi ya mtumishi wa Mungu. Tu laisses ton serviteur s'en aller un peu. Acha mtumishi wako aende katika salama. Lui-même. Yeye mwenyewe. Il dit bien-aimé frères et sœurs. Mapendwa ndugu na dada. Dans mon cœur. Mumoyo wangu. Cela grandit toujours. Ile kuna komala tu. Et inonde toujours plus mon cœur. Na iko na jaa tele moyo wangu. Je préfère dire comme Simeon le disait autrefois. Napenda kusema sawa Simeon alikuwa anasema zamani Bwana. Laisse maintenant ton serviteur aller en paix. Acha mtumishi wako sasa alale car katika salama. Mes yeux ont vu l'accomplissement. Kwa maana macho yangu naona utimilifu. De ce que tu as prédestiné pour cette époque. Ya kile ulitayarishaka njoo hii wakati. Et c'est ainsi. Na njoo hivi. Que nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Tunaweza kumshukuru Bwana njoo hii. Dieu a pris Frère Branham. Mungu alimchukua ndugu Branham. Tel qu'il a pris Moïse. Paka vile alichukua kama Musa. Mais ensuite lakini kisha, les choses sont passées à la réalité. Bitu bilipita kukweli. Et les promesses sont devenues une réalité du temps de Josué. Na malako inakuwa ukweli samu les wakati ya Yoshua. Les pouvaient vraiment fouler les sols du pays de la promesse. Watu walifikaka muincha malako. Et entrer en possession dans la réalité de ce que Dieu leur avait donné. Na balingia banashika inchi mukweli paka vile Mungu alibaraka. Tous qui connaissaient ces ministères. Mwe bote mekuchua utumishi. Vous savez déjà. Munajua. Que j'ai dit à la fin de l'année dernière. Aucun voyage n'est plus planifié. Mais, de mes lèvres, j'ai prononcé ce que Simeon avait dit. Seigneur, laisse maintenant ton serviteur aller en paix. Car mes yeux ont vu les salis de Dieu. Kwa maana macho yangu naona wokovu wa Mungu. Mes yeux ont vu le monde entier écouter la parole prêchée. Macho yangu inaona dunia yote mshime nasikia neno lililohubiriwa. J'ai pu vivre de mes propres yeux comment est-ce que Dieu ouvert les portes? Miriona kwa macho yangu kisika ni Mungu alikuwa anafunga milango. Et le cœur dans le monde entier. Na mioyo dunia yote mshime. Et nous croyons aussi. Na tunaamini pia. Que le pays reste. Et nous croyons aussi
que tous les pays restants qui ne font pas partie des 174 pays énumérés seront aussi atteints. Le Seigneur appelle tout le peuple, le langue et les nations assorties. J'ai apporté ma contribution, ma part, j'ai vieilli. Je remercie le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je remets maintenant entre tes mains. Achève ton œuvre avec ton troupeau. J'ai répété cela et j'ai dit au Seigneur, c'est ton église. Ce sont tes promesses. Tu as veillé sur ta parole et tout ce qui était déterminé pour les laps de temps dans lesquels nous vivons a été prêché. Tu as envoyé ton serviteur et prophète dans notre temps pour ainsi apporter les derniers messages qui devaient atteindre le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que nous l'avons porté. Nous savons que tout doit être rétabli et être ramené au commencement. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il a pris soin pour cela. Nous disons aussi merci à Dieu parce qu'il a pu au Seigneur de récupérer son serviteur. Que son nom soit loué à jamais. Jina lake lisifiwe milele. Branham n'est plus. Ndugu Branham ashakufwa. L'œuvre continue. Kazi iendelea. Frank. Ndugu Frank anakufwa. L'œuvre va toujours continuer. Na kazi ya Mungu itendelea paka. Dis pas moi Branham. Hapana mie Branham. C'est le message qui vous pointera Jésus. Ni ujumbe ndio itemitashimshontea Yesu. Nous avons la promesse. Tukuna malako. À très bientôt. Bado kidogo. Sa gloire. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Deuxième communiqué. Tangazo ya pili. Nous annonçons aussi à l'église. Tunatangazia